Hop, et nous voilà en ligne. Je vais arrêter ça ici. Je vérifie que tout est bon. On m'entend, pas comme la dernière fois où mon micro n'était pas branché. C'était il y a quelques semaines de ça, mais maintenant je suis prudent, je regarde toujours s'il y a la ligne de son qui s'agite sur le logiciel. Et je crois que tout est bon. De retour pour un nouveau stream linguistique et jeux vidéo. J'ai vu qu'il y avait un nouveau follower sur la chaîne Ascobol, merci pour le follow. Je ne sais pas si vous regardez encore le live ou si vous le regarderez plus tard, mais merci en tout cas de me suivre. Et puis petite nouveauté, j'aurais dû ranger un peu derrière, j'ai changé ma caméra d'emplacement pour avoir un autre profil, pour voir comment ça fonctionnait. On verra peut-être un peu moins bergamote du coup sur ou peut-être sur le pouf, mais peut-être davantage sur le canapé. Hein, elle est dans sa boîte là. Mais oui, miaou. Mais oui. Mais oui, c'est le petit chouchou. Ouais, tu es belle. Ce soir, donc. Nouveau stream, je pense pas qu'il y en aura d'autres dans le courant du mois de mai, en fait, puisque bon. Mon emploi du temps est assez chargé, comme les mois précédents. Cette année est vraiment, vraiment intense niveau travail. Beaucoup de choses à faire dans tous les sens. Il y en aura peut-être fin mai. J'essaierai d'en faire un ou deux, peut-être en courant juin. Et encore, là encore, c'est loin d'être dit. Donc on verra. En attendant que je puisse me libérer du temps, profitons déjà de celui que j'ai cette semaine. Et donc, cette semaine, je voulais parler du concept de rémanence, de retour, hop, qui est un sujet qui m'intéresse toujours et auquel je peux faire éventuellement référence. C'est cette idée que des choses du présent sont des retours ou des rappels de ce qui a pu se passer par le passé. Il y a quelques années ou quelques siècles, comme un écho, hein, comme une onde, un ricochet qui viendrait jusqu'à nous. Et c'est quelque chose que, en diachronie, en linguistique historique, on voit occasionnellement. Mais il faut toujours être assez prudent quand on parle de ça. Il y a cette idée en linguistique diachronique que les phénomènes qui ont présidé au changement il y a plusieurs siècles, hein, qui ont favorisé voilà, l'évolution de l'ancien, du moyen français, du français préclassique, etc., sont des forces qui, toutes choses égales par ailleurs, existent encore aujourd'hui et peuvent se retrouver, mutatis mutandis, dans la langue contemporaine. Et c'est effectivement des choses que l'on peut observer en phonétique, en syntaxe, il y a certains phénomènes mécaniques dans la prononciation des sons, que l'on retrouve aujourd'hui alors qu'ils étaient présents jadis ou bien dans l'agencement, dans l'ordre des mots. Mais il faut toujours être prudent quand on fait ces observations, puisque il ne s'agit pas toujours d'un cas de rémanence, du retour d'une structure ancienne, mais plutôt d'autres phénomènes qui aboutissent finalement à des résultats voilà, qui similaires avec le temps, mais sans que ce soit nécessairement dû aux mêmes effets. Et donc la question, c'est de savoir trier le bon grain de livret, hein, comme toujours, par des enquêtes, par des calculs. Parfois on ne peut pas trancher, parfois on a plus ou moins de convictions. De toute façon, en linguistique, en sciences humaines en général, on a rarement des convictions, mais on a des indices plus ou moins forts. Et donc je voulais aborder ce sujet avec un article de Sophie Prévost, paru en 2020 dans la revue Le Français Moderne, qui s'intitule donc « Le maintien de OSV de VOS en français moderne, un cas de rémanence ». C'est un article qui est librement disponible en ligne, hein, via ALSHS, comme vous le voyez. J'en ai mis le lien dans l'annonce du stream de ce soir, et je le remettrai en description de la vidéo sur YouTube lorsque je l'uploaderai. Alors, comme toujours, je ne vais pas m'attarder
lire dans le détail l'intégralité de cet article, mais je vais pointer quelques endroits qui semblent intéressants, qui m'ont semblé intéressants. Et puis ensuite, nous explorons ce thème par un jeu vidéo. Donc Sophie Prévost, j'ai déjà eu l'occasion de lire de ses travaux et d'en parler, hein. Chercheuse au Lattice, hein, qui est un bureau, un laboratoire de linguistique affilié à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, et qui est sans doute aujourd'hui l'une des diachroniciennes, des linguistes diachroniciennes les plus, comment dirais-je, les plus sachantes, les plus savantes, hein, en sa discipline, hein, grande spécialiste du français médiéval, peut-être la plus grande spécialiste du français médiéval aujourd'hui, hein, j'en avais parlé il y a quelques mois, hein, dans cette vidéo qui date d'un an à peu près, hein, voilà, sur un des articles préférés la concernant, qui parle d'analyse quantitative sur des anciennes sources. Et donc voilà, c'est sans doute la personne aujourd'hui qui connaît le mieux le français, l'ancienne langue française, le français médiéval, qui a une vue d'ensemble d'un très grand nombre de phénomènes de diachronie. Voilà, c'est pour l'anecdote, je ne sais pas si je l'avais raconté, c'est lorsque j'avais fait mon master 1 à l'époque à l'université de Poitiers, Philippe Caron, donc autre grand chercheur de diachronie, de linguistique historique du français aujourd'hui, m'avait confié un livre de Sophie Prévost pour m'aider dans ses réflexions. C'était sur la postposition du sujet dans l'ancienne langue, et ça m'avait vraiment épaté, enfin, qu'on puisse voilà, atteindre ce niveau d'exactitude et d'intelligence dans la langue. Bon. Et donc c'est ça aussi qui m'a amené sur le chemin où je suis aujourd'hui. Et j'ai eu la chance depuis de la rencontrer et d'échanger avec elle au gré de différents événements scientifiques, de colloques, de publications, etc. Et voilà, et donc c'est quelqu'un, si vous voulez en savoir davantage sur l'histoire de la langue française, je vous recommande les lectures de ces articles qui sont toujours très, très précis, très, très bien documentés. Vraiment, si vous vous intéressez à cette question. Voilà, chercher ces références. Donc je vais passer maintenant à la lecture de l'article. Donc l'ancien français se caractérisait par un ordre des mots plus souple qu'en français moderne, permettant toutes les combinaisons possibles lorsque le sujet, le verbe, l'objet nominal étaient exprimés. Le français moderne présente une situation radicalement différente. SVO y domine très largement, hein, c'est l'ordre phrastique non marqué de notre langue contemporaine, et ça l'est en vérité depuis... Au moins depuis le français classique, au moins depuis le XVIIe siècle, l'ordre SVO était déjà dominant dans l'ancienne langue, mais il y avait d'autres structures, trois autres schémas, hein, linéarisation de surface, VOS, OSV et VSO, hein, qui ont été conservés, les deux premiers, VOS et OSV, étant fort rares en ancien français. Donc, nous proposons dans un premier temps un survol des caractéristiques en ancien français de ces schémas, leurs évolutions à partir du moyen français. Nous essaierons ensuite de déterminer si ces schémas recouvrent aujourd'hui les mêmes constructions que par le passé, et si leurs motivations en ancien français sont toujours opérantes. Hein. N'envisager que SVO sans tenir compte des autres éléments, en particulier ceux qui ouvrent la proposition, donc les éléments initiaux que l'on avait déjà évoqués jadis, il me semble que j'avais lu un article, si je le retrouve quelque part, justement sur l'évolution de l'ordre des mots en français, il me semble. Je ne sais plus si je l'avais fait, hop, sur la chaîne. Un article de Bernard Combette et Dan Carlier. Ouais. Hop, il y a 7 mois que je mets aussi. Je commence à voir quelques vidéos sur ma chaîne, autant les rentabiliser. Hop. Sur la spécialisation morphosyntaxique, qui parlait bien de ses constituants initiaux, topicalisant souvent, pas toujours, qui pouvaient influencer l'agencement des constituants SVO ensuite dans la proposition. Mais évidemment,
Ça demande une étude beaucoup plus ample, hein, beaucoup plus grande. On continue encore, hein, de travailler sur cette question. Sophie Prévost continue de travailler sur cette question. Et c'est vrai que c'est une question cruciale, hein, en syntaxe. Donc en français moderne, lorsque le sujet, quel qu'il soit, et l'objet nominal sont exprimés, l'ordre SVO est très largement dominant dans les propositions principales, indépendantes, déclaratives et subordonnées. Les autres schémas sont soit non attestés, soit marginaux et contraints. Hein. SVO constitue l'ordre non marqué. Rien de tel en ancien français où les six schémas possibles de SVO étaient attestés dans des proportions variables. L'évolution du français dans ce domaine constitue donc une spécialisation progressive au profit de SVO, à laquelle ont contribué trois changements majeurs. La postposition croissante de l'objet nominal au verbe et leur juxtaposition. Il s'agit d'autre part de la tendance à répartir sujet et objet de part et d'autre du verbe, en particulier lorsqu'ils sont nominaux. Et enfin de la progression étalée sur plusieurs siècles de l'antéposition au sujet. Très tôt, l'objet pronominal a été antéposé au verbe, échappant donc à la variation positionnelle de l'objet nominal. Donc SVO de multiples combinaisons. C'est durant la période de l'ancien français que la diversité des combinaisons SVO est la plus grande, certains schémas devenant rares, voire inexistants, dès le XIVe siècle, au profit de SVO. C'est donc pour cette seule période que seront fournies au fil du texte quelques données chiffrées, sans doute appuyées sur des textes de la BFM, voilà. 13 textes, hein, les serments de Strasbourg, Sainte-Eulalie, la Passion de Clermont, la vie de Saint-Léger, etc. Ce sont les textes qui nous sont parvenus dans les meilleures conditions et sur lesquels on peut avoir un témoignage assez précis de l'ancienne langue. Trois points majeurs méritent d'être soulignés. Dès la vie de Saint-Léger, vers 1050, l'ordre SVO est de manière constante l'ordre dominant. 70% des déclaratifs dans le texte et aussi, sinon, entre 50 et 89%, avec une exception chez Clary où il n'atteint que 40%. Les subordonnées présentent un caractère précurseur. SVO s'y affiche en presque tous les textes une fréquence plus élevée que dans les déclaratifs. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu ou du moins assez observé dans d'autres langues, l'idée que les subordonnées, les propositions subordonnées sont motrices du changement linguistique et notamment de la syntaxe de la phrase au regard des propositions indépendantes qui seraient plus conservatrices. Ça, c'est une hypothèse qui avait déjà été évoquée il y a quelques... Voilà, quelques années maintenant, quelques dizaines d'années par d'autres chercheurs, notamment Bybee, et ça semble se vérifier pour l'ancien français. Les schémas VOS et OSV présentent tout au long de la période un caractère très marginal. Absent de certains textes, VOS n'est pas attesté dans Strasbourg, Sainte-Eulalie, Passion et Lapidaire. OSV ne l'est pas dans Strasbourg, Sainte-Eulalie, Léger, Aucassin, Nicolette et le roman de la Rose. Du moins dans les extraits analysés. Comme ce sont pour ces deux derniers des textes un peu plus longs, hein, l'article se concentre que sur 1000 constructions verbales pour faire ces données, ce qui donne déjà un échantillon assez représentatif. Nous nous intéresserons plus spécifiquement ici à OSV et VOS, tout en évoquant rapidement les schémas autres que SVO, qui, dès Saint-Léger, s'imposent comme l'ordre majoritaire et donc non marqué. Aussi parce que les schémas OSV et VOS en français moderne sont surtout instanciés en déclarative, les subordonnées ne font l'objet que de remarques ponctuelles. Le schéma OVS apparaît dans tous les textes à partir de Saint-Légier avec un sujet nominal. Jusqu'au milieu du XIIe siècle, c'est l'ordre le plus fréquent derrière SVO. Antéposition de l'objet, ça c'est assez fréquent dans la littérature médiévale si vous avez l'habitude de lire des textes anciens français, notamment des textes romanesques, fictionnels, pas que. Vous noterez qu'on a tendance très régulièrement à antéposer l'objet, souvent à des fins pragmatiques ou rhétoriques. On cherche à le mettre en avant, mettre en évidence, voire à le thématiser, à en faire l'objet du développement textuel suivant. Pas toujours, parfois c'est pour des questions de rime ou de rythme, mais c'est une possibilité qui est assez fréquente.
Il n'en offre pas moins durant toute la période de l'ancien français une gamme d'objets directs très variés, hein, tant sur le plan morphosyntaxique qu'informationnel. On trouve donc en première position des objets indéfinis et intensifiés qui sont en cette position plutôt réservés à des éléments porteurs d'une faible charge informationnelle qui relève d'un caractère emphatique, mais aussi, pour ainsi dire à l'inverse, des référents actifs sur le plan cognitif et explicitement rattachés au contexte précédent. Hein, d'où une impossible mise en relief. Hein, moult grande vengeance en prendra l'empereur, hein, une terrible vengeance en prendra l'empereur, hein, ou bien son corps ne puis-je voir, mais sa parole ouis-je bien qui est si laide et si épouvantable. Son corps ne puis-je voir, je ne puis voir son corps, mais sa voix entend, mais j'entends bien sa voix, etc. Le schéma VSO est attesté dans tous les textes à partir de Saint-Alexis, et il connaît une hausse à partir de la fin du XIIe siècle. Il fait étonnant pour cette construction qui disjoint verbe et objet et juxtapose sujet et objet. Hein. Dès lors, te toligne et animise la vue, dès lors, te ravit l'ennemi la vue. Ça, c'est beaucoup plus rare, effectivement, mais c'est vrai que c'est... Maintenant que je commence à avoir une meilleure habitude des textes médiévaux, ça me surprend, c'est vrai, un peu moins. C'est vrai que c'est un peu plus atypique. Le schéma SOV présente une double particularité. Majoritaire jusqu'à la passion, il connaît dès sien léger une chute drastique, ne passant que rarement la barre des 10%. De toute évidence, réservé au vers, il n'apparaît dans aucun passage en prose du corpus. Le vers a tendance à être, dans l'ancienne langue, plus archaïsante, ou du moins plus atypique que la prose, pour des contraintes prosodiques, pour des contraintes rythmiques, pour des contraintes de rime également. Aussi pour le côté esthétique, la littérature, la prose littéraire a tendance, même encore maintenant, à être un peu plus conservatrice que la prose non littéraire, non fictionnelle, qui elle est un peu plus proche des mouvements de l'usage, ou anticipe un peu plus rapidement l'évolution linguistique. Ça c'est quelque chose que l'on commence à calculer et à observer avec assez de précision. L'antéposition de l'objet nominal au verbe et la juxtaposition du sujet nominal et de l'objet nominal, trait que l'on retrouve avec OSV. Si le sujet est un pronom personnel, la langue est réticente à partir de Saint-Gilles à disjoindre celui-ci du verbe par un objet nominal. Franc et païen, merveilleux coup y rendent, franc et païen, des coups redoutables échangent. Je qui Gauvins, votre nier suis, mon compagnon ne reconnuis, moi qui suis Gauvin, votre neveu, mon compagnon, je ne reconnus. Hein, je ne reconnus pas mon compagnon. On comprend facilement les difficultés de cet ordre. Bonsoir, merci d'être là. Rapidement les difficultés liées à cet ordre SOV, c'est que l'on juxtapose. Merci. C'est que l'on juxtapose deux constituants nominaux qui ont des fonctions différentes autour du verbe. Jusqu'à un certain point dans l'ancienne langue française, la déclinaison bicasuelle, qu'à sujet, qu'à régime, permettait de les distinguer assez facilement, mais dès date ancienne, cette déclinaison n'est plus suivie. Scrupuleusement. Du moins, dans les textes qui nous sont parvenus, on voit de très nombreuses irrégularités par rapport au modèle que l'on estime être le véritable. Et donc, du coup, on se retrouve parfois avec des ambiguïtés interprétatives qui peuvent être gênantes. Elles ne sont jamais totalement irrésolues, puisqu'il n'y a pas vraiment d'ambiguïté à l'écrit qui ne puisse être résolue par un contexte plus ou moins grand, par la compréhension générale de la lecture, mais du point de vue micro, ça peut créer une gêne ponctuelle, et donc progressivement, les auteurs ont eu tendance à utiliser le verbe comme sorte de séparateur entre les constituants nominaux. Et puis progressivement, le sujet est remonté sur la gauche et l'objet est arrivé en position post-verbale pour différentes raisons. Reste enfin les schémas OSV et VOS. Le premier est marginal dans Saint-Légier, et il le reste pendant toute la période. Le sujet est toujours nominal. Hein. Molt grand miral Deus iut, un grand miracle Dieu y fit. Tristan va est à la chambre et vient, nul cure les rois et se n'en tient. Tristan va et vient dans la chambre, nul compte n'en tient le roi n'en tient nul compte. Mais de haut homme, Philippe II, haute justice, je vous dirai, Philippe II. Que l'on en fâche, mais pour un grand personnage, la grande justice, je vous dirai, dit le duc, qu'il faut en prendre, je vous dirai la grande justice qu'il faut en prendre.
L'objet antéposé dès cette période, souvent intensifié hein, ou quantifié et donc focalisé, la grande rareté de OSV ainsi que le caractère globalement minoritaire dès le 11e siècle de l'objet en position préverbale confère à ce dernier une certaine emphase. À tous égards, OSV constitue un schéma marqué. C'est assez fréquent en syntaxe, en général, quand vous avez une structure marquée, une structure fréquente, comme en français SVO, qui est la structure qui domine largement les structures phrastiques, tout entorse à ce schéma va être réinvesti par les locuteurs, va être réinvesti du point de vue modal, pour marquer un type de phrase interrogative, exclamative, marquer un doute, ou bien pour marquer une emphase, ou mettre l'accent sur quelque chose. Mais ce n'est jamais neutre. Même en latin, où l'ordre des mots est plus libre, en latin classique, il n'est pas indifférent. Et il y a malgré tout des structures normalisées qui émergent, notamment des structures OV, assez fréquentes, et quand en latin on a un ordre des mots qui s'éloigne d'OV, on peut généralement l'interpréter d'une certaine façon. Il y a un effet textuel, rhétorique, emphatique, argumentatif spécifique. Le schéma VOS est pareillement rare. Contrairement au précédent, à partir du Saint-Léger, il est attesté dans la majorité des textes. Le sujet est toujours nominal. Très tôt, VOS tend à comporter des groupes VO. Qui a défaut de pouvoir être qualifié de locution verbale, présente un relatif degré de figement, repérable par l'absence de détermination. Je n'en avrons reproche ni parents, jamais n'en auront reproche mes parents. Tôt mangea le pain à l'ermite, messire Yvain. Entièrement mangea le pain de l'ermite, monseigneur Yvain mangea entièrement le pain. Et maintenant, eurent pouvoir de parler, s'il que devant ne pouvait maudire, et tout aussitôt eurent le pouvoir de parler, ce qui auparavant ne pouvait dire un mot. Donc que s'est-il passé du moyen français au français moderne hein? À partir du moyen français, les tendances observées pour l'ancien français se confirment, exception faite du schéma OSV. OVS reste vivant au 14e et 15e, restreint aux sujets nominaux, puis l'objet garde ses caractéristiques, hein, intensifiées ou généralement de continuation textuelle, et la structure est sortie au 17e siècle de l'usage, on n'en trouve plus trace, excepté en français moderne dans certaines complétives. Je ne sais pas quel dessert apportera Paul. Qui dénote, hein, on voit déjà d'un niveau de langue pour la langue moderne qui est assez particulière. Hein. On dirait plus aisément, je pense, je ne sais pas ce que Paul apportera comme dessert, que je ne sais pas quel dessert apportera Paul, justement parce que tout contrevenance, hein, toute modification du schéma SVO demande déjà un calcul sémantique particulier hein, dans la langue moderne, mais on a une tendance naturelle en français justement à graviter, à revenir vers ce schéma SVO. Raison pour laquelle dès la période classique, on a développé l'adverbe, le mot interrogatif, la périphrase interrogative, est-ce que hein, est-ce que Paul vient, plutôt que vient Paul ou vient-il, parce que l'inversion n'était même plus sentie naturelle pour les interrogations. Et d'ailleurs, est-ce que était sentie à l'époque classique comme de très bonnes langues, hein, quand on lit les grammairiens du temps, ils considéraient que c'était quelque chose de très, de parfaitement intégré dans l'usage et qui complétait très très bien l'inversion VS des interrogatives. Donc on le retrouve, hein, 15e, 16e, hein, grande joie s'entrefirent les deux amants et firent de beaux passe-temps durant la nuit, semblable action de grâce rendit Pantagruel. Le schéma SOV a pratiquement disparu des déclaratifs dès la fin du 12e siècle, les textes des 14e et 15e n'en offrant plus que des occurrences éparses. Et le gentilhomme, de la guerre retourné, son enfant demanda, dans les 100 nouvelles. Attesté de manière continue depuis l'ancien français, VSO va connaître une double restriction. Les sujets nominaux encore bien vivants au 14, 15e se raréfient dès le début du 16e, disparaissent au 17e. Alors, chez Montaigne, hein, on pouvait encore avoir ainsi perdit Nicias l'avantage, etc. À compter du 16e, ce tour sera condamné par les grammairiens et sort de l'usage. Et ce que l'on aura, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la version complexe. Ainsi, Nicias perdit-il l'avantage, etc. Où on a un rappel en prolepse du sujet
au moyen d'un pronom personnel clitique postposé. En revanche, avec les pronoms personnels sujets auxquels il faut rajouter on, VSO s'est conservé jusqu'en français moderne. Mais seconde restriction, ce schéma initialement possible derrière tout élément initial s'est peu à peu limité au contexte dans lequel un adverbe à valeur épistémique ouvre la proposition. Sans doute a-t-il sous-estimé. Ainsi faut-il croire, aussi croyait-il que. Il y a une toute petite famille d'adverbes, déjà dès l'époque classique qu'on avait repéré, qui autorise ça, alors qu'on pouvait avoir un peu plus de liberté jadis hein, chez Pisan. Hein. Au moins y acquerront-elles grand mérite à leur âme par la vertu de patience, etc. Des trois schémas, SOV, OVS et VSO, attestés régulièrement en ancien français, le premier a totalement disparu en langue moderne. SOV n'est plus attesté en français. Jean le pain mangea n'est plus du tout attesté en usage. OVS et VSO, OVS est réservé aux interrogatives indirectes. Je me demande que ce qu'on pourrait dire avec OVS. Oui, je me demande quel dessert prendra Jean, hein, qu'on a vu plus haut, mais c'est avec un tour voilà, un peu plus élaboré. Et le troisième au sujet pronominaux dans un contexte sémantico-pragmatique bien spécifique, VSO. Encore faut-il croire, etc. On aurait pu s'attendre à ce que OSV et VOS sortent de l'usage du fait de leur caractère ancien français, mais il ne s'est rien produit de tel. OSV, très rare en ancien français, connaît une hausse relative à partir du XIVe siècle et est attesté dans la plupart des textes jusqu'à la fin du XVe, en déclarative et en subordonnée. L'objet est souvent quantifié, bien que cette quantification puisse être nulle ou totale, elle accentue l'effet d'emphase. Hein. Début 14e, hein. Nulle chose du monde, il ne laissèrent en l'os des Sarrasins, hein, en l'armée des Sarrasins, l'ost. Dans Bérinus, hein, six rois, il savait une moule belle fille sage et courtoise, ne nous l'autroir, il n'avait, mais il n'avait aucun autre héritier, et tout leur état est convenant, ils écrivaient soigneusement à leur seigneur le roi Louis de Bavière, et faisaient le dit Morvilliers ce cas si énorme, si crimineux, que nulle chose qui se peut dire à ce propos pour faire honte et vitupère à un prince, il ne dit. Ça, j'aime beaucoup cet exemple de Comines, parce qu'on a vraiment une période vraiment telle qu'on la définira à l'époque classique, hein, ou en rhétorique, avec hein, cette montée progressive de la protase qui atteint l'acmé, et puis pouf, une chute hein, classique avec l'apodose hein, très... très brève ici, hein, on sent bien. Et faisait le dit Morvilliers ce cas si énorme, si crimineux. Là, on voit le hein, l'amorce hein, de la structure comparative intensive hein, avec l'adverbe si, hein, que hop, on embraye la machine. Nulle chose qui se peut dire à ce propos pour faire honte et vitupère à un prince. Et là, on voit qu'on aligne hein, à ce propos pour faire honte et vitupère à un prince. Hein, on aligne les constituants indirects. Il ne dit. Mais pouf, on résout tout en trois mots monosyllabiques. Il y a vraiment une stylistique particulière ici que je trouve vraiment intéressante. Les sujets nominaux sont extrêmement rares, contrairement à ce qui a été observé en ancien français. Price, dans son étude sur Froissart, n'en trouve aucun exemple. Levinsky n'en relève qu'un seul sur les 30 occurrences d'OSV dans Bérinus. Combette cite quelques occurrences. Hein, dans chez Pisan encore, une chantelle qui a été divisée en 23 parties, les 8 parties le roi mettait en oraison dire. Cette rareté qui ne se démentira pas par la suite s'explique par la réticence à juxtaposer deux syntagmes nominaux, c'est ce que je disais plus haut, hein. Croissante dès lors que la déclinaison est devenue caduque, tout autant que la difficulté à séparer l'objet de son verbe par un élément prosodiquement lourd en raison du lien sémantique croissant qui les unit. OSV à l'écrit ne semble pas dépasser la fin du XVe siècle, même si on rencontre encore quelques occurrences au XVIe en poésie. Hein. Chez Ronsard, l'acier de son coutre, il change en un couteau. Là on n'est plus, il me semble, chez Ronsard, à proprement parler, dans des cas de possibilités syntaxiques, on est vraiment dans ce qu'on appelait l'hyperbate, hein, l'inversion stylistique de constituants. Généralement linéairement disposé d'une certaine façon. Là, je pense que même au XVIe siècle, c'était déjà senti comme une langue poétique.
L'essor de ce schéma reste étonnant, il illustre bien le recul de la contrainte du verbe en seconde position et la progression des sujets préverbaux. Il contredit en revanche la tendance forte et ancienne à postposer l'objet au verbe et à le juxtaposer. La construction disparaît de l'écrit, mais l'on ne peut exclure qu'elle ne se soit maintenue à l'oral. Cette hypothèse est suggérée par son existence en français moderne. Hein. Un kilo de pâte, ils ont avalé à eux trois. Hein. Là, on voit très bien le caractère emphatique, comme on le prononcerait aujourd'hui. Mais elle reste difficile à confirmer du fait de la rareté pendant des siècles des données pertinentes. Hein. Peut-être, effectivement, là, ces derniers temps, on redécouvre, on s'intéresse aux écrits des pelétrés, de ce qu'on appelle les pelétrés, des personnes qui ne sont pas des littérateurs, et qui ont des pratiques très fonctionnelles de l'écrit d'affaires, de l'écrit de correspondance intime. Et peut-être que là, il va y avoir des traces de ces phénomènes, mais ça, c'est douteux. Le schéma VOS reste rare en moyen français, VO offrant un relatif degré de figement. On trouve encore hein, quelques occurrences, et encore à propos de femmes amantes, leur mari, nommis celle opinion jadis à Rome, le noble homme Brutus, mari de Portia, s'y laisse tomber à terre l'épouvantail, celui qui le tient. À la fin, après plusieurs paroles, pleurs et regrets, prennent congé les uns des autres. Ou chez Montaigne encore, hein. Ainsi emportent les bêtes leur rage à s'attaquer à la pierre et au fer. Là encore, il y a sans doute aussi des caractéristiques d'ordre prosodique hein, qui ont sans doute une importance ici à considérer. Ce schéma a disparu au XVIIe siècle, au moins dans le corpus examiné, mais il connaît une resurgence à partir du XIXe siècle, dans les écrits à caractère administratif ou juridique, avec une contrainte forte sur le sujet qui doit être lourd, tandis que l'objet doit être léger. Tendance naturelle de la langue française, langue dite à cadence majeure, dans laquelle les éléments les plus lourds, au niveau syllabique ou rythmique, ont tendance à être repoussés en fin de séquence ou de groupe syntagmatique. Raison pour laquelle on dit pif Hercule plus facilement que Hercule et pif. C'est l'exemple que je donne toujours aux étudiants. Devront repasser l'examen tous les étudiants qui ont raté le contrôle continu. Là, on voit que la subordonnée relative, hein, restrictive, hein, fait un gros groupe nominal, et donc, du coup, par rapport à l'examen, pouf, qui est beaucoup plus bref, hein, il y a une tendance à la postposition. Paieront une amende tous ceux et celles qui n'auront pas rendu leur livre avant le 30 juin. Donc, des cas de rémanence. La rémanence se définit comme la persistance d'un état après la disparition de sa cause. Dans le cas présent, il s'agit d'établir si les schémas OSV et VOS se sont conservés, hein, alors que les causes qui les motivaient auraient disparu. Donc, je vais passer peut-être un peu rapidement ici, résumer un peu ce paragraphe, parce que je vois que l'heure avance tranquillement et je n'ai pas envie d'être trop long ce soir non plus. Donc le schéma VOS a pour seule contrainte la présence d'un sujet nominal. Hein, la postposition du sujet nominal est encore courante jusqu'au XVe siècle. 50% de sujets dans certains textes comme le Lancelot Graal. Les séquences VO présentaient souvent un certain degré de figement, déjà à l'époque, prendre congé, faire remembrance, ce trait étant bien plus fréquent que dans le schéma SVO. À défaut d'y voir une véritable motivation, il faut y voir une caractéristique forte. Elle s'estompe à partir du XVe siècle, mais émerge un nouveau trait distinctif lié au sujet. Celui-ci tend à être complexe, bien davantage que l'objet qu'il précède, hein, comme on l'a vu plus haut avec Perron, une amende, etc. Donc, on peut considérer qu'il y a une motivation prosodique, hein, l'élément léger précède l'élément lourd. De même, c'est largement lié à une motivation informationnelle. On place à la fin l'élément porteur de la charge informatique la plus élevée. Ça, c'est quelque chose de considéré. On considère que les groupes nominaux complexes, qui ont énormément de compléments, de noms, de relatives, etc., ont des charges informatives informationnelles plus élevées que les compléments brefs, composés uniquement que d'un groupe nominal, puisque vraisemblablement et très généralement, ce type de constituant a déjà fait l'objet d'une mention antérieure, soit explicitement par le contexte textuel, hein, l'environnement textuel antérieur, soit pragmatiquement, hein,
dans la situation d'énonciation. Donc quand on cherche à surdéfinir un groupe nominal, c'est que l'on apporte de l'information nouvelle. Cette caractéristique n'est pas exclusive des verbes transitifs, mais se rencontre avec des formes verbales complexes, hein, tournure passive, temps composé, auxiliaire modal, hein, sont reçus tous les candidats qui auront rempli, etc. Et c'est un schéma qui est fortement marqué, hein, avec des productions du type juridique ou administratif. On peut d'ailleurs se demander pourquoi c'est spécialement dans ces langues et ces langues de palais, comme on disait à l'époque, où ça s'est développé. Peut-être des références à la latinité, peut-être, qui pouvait avoir tendance à mettre en première position des éléments verbaux, des verbes. Peut-être à des fins d'organisation du propos aussi, et de lisibilité, comme il y a une tendance dans la littérature juridique peut-être à utiliser beaucoup de groupes nominaux complexes du fait des conditions multiples que l'on doit répondre pour suivre une décision de justice. Bon. Il y a des choses à explorer, je pense, ici dans cette thématique. Cela peut expliquer son maintien, lequel est sinon assez inattendu. Voilà, quant à l'évolution du français. Il illustre les différentes forces qui président à l'agencement de l'ordre des mots. Sur un plan strictement syntaxique, la référence de la langue à disjoindre l'objet direct du verbe, à antéposer l'objet au verbe et à juxtaposer sujet et objet. D'autre part, sur le plan prosodique, la tendance à placer un sujet volumineux après un groupe verbal comparativement court. Les motivations de VOS sont encore difficiles à cerner. En ancien français, c'est vrai qu'on a peu d'indices pour déterminer ça. Ce que l'on sait, c'est qu'en français moderne, il s'agit généralement d'ordre prosodique et informationnel. Et c'est peut-être déjà le cas en ancien français. On peut néanmoins se demander si au-delà d'un même schéma, VOS médiéval et VOS moderne constituent une même construction. Un schéma et ses propriétés, hein. L'appariement d'une forme et d'un sens. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être les mêmes causes, ou du moins les mêmes effets initiaux qui produiraient les mêmes résultats, mais les effets intermédiaires, hein, les procédures de calcul que font les locuteurs et les locutrices pour l'atteindre, seraient fondamentalement différentes. Donc il y aurait une divergence, hein, dans les effets de sens et dans la structure informationnelle, dans les types de textes, de discours quand on les rencontre. Donc, il faut être prudent là aussi. Pour OSV, plusieurs études ont mis en évidence que le schéma OSV correspond en français moderne à deux constructions différentes. Hein. Première construction du type « le chocolat, tout le monde adore au labo » ou bien « travailler seul, je déteste » versus « 3 sur 20, il a eu à son dernier devoir. » Ou bien, 1 kilo de pâtes, ils ont avalé à eux 3. Et là, on voit bien qu'on a des différences assez nettes. Hein. Il n'y a pas la même intonation. Il y a un caractère générique dans le premier cas qui n'est pas obligatoire dans le second. Il y a des différences de détermination, définie versus indéfinie. Hein, pour l'exemple 1, on pourrait plus difficilement dire « un chocolat, tout le monde adore au labo ». Et inversement, hein, on pourrait pas dire « le kilo de pâtes, ils ont avalé à eux 3 ». C'est moins évident à prononcer, même si ça peut toujours se rencontrer. Du point de vue informationnel, la première construction instancie une opération de topicalisation, de thématisation, assimilée à une dislocation avec ellipse à l'élément de reprise. Hein. Le chocolat, tout le monde adore ça au labo, tandis que la seconde met en œuvre une opération de focalisation, donc sur l'élément nouveau. Enfin, en particulier dans le second cas, les sujets nominaux sont plus difficilement acceptables que les pronoms. La première construction ne semble pas attestée en français médiéval. On trouve en revanche des cas de dislocation explicite. Les signeurs, je les vous nommerai, chez Froissart. Il est difficile de dater son apparition, qui semble constituer une innovation par rapport au français médiéval. On peut en revanche rapprocher à seconde des attestations OSV en ancien français, hein, objet focalisé,
avec les mêmes caractéristiques, focalisation et caractère emphatique. La construction présente donc à différents égards une relative continuité, même si elle a connu deux changements majeurs, le recul des sujets nominaux et la progression de son caractère marqué. Car c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que une structure rare à tant de pourcents dans un état de langue va avoir une autre impression, un autre marquage qu'une structure bien plus rare dans un autre état de langue. Si OSV est représenté à 15% en ancien français, mais n'est plus représenté qu'à 2% en français moderne, bah, le marquage va être très différent du simple fait du calcul de fréquence. Et donc, l'effet ne sera pas tout à fait identique. Donc, pour conclure rapidement, le schéma OSV moderne traduit une certaine continuité avec l'ancien français. Il s'agit globalement d'une même construction et l'on n'a donc pas affaire à un cas de rémanence. En revanche, les motivations de VOS ont évolué entre l'ancien français et le français moderne et le schéma pourrait de ce fait être considéré comme un cas de rémanence. Une approche constructionnelle laisse paraître qu'il s'agit de deux constructions différentes. Il n'y a dès lors pas lieu non plus de parler de rémanence, bien que ce soit pour des raisons en quelque sorte opposées à celles qui prévalent pour OSV. L'adoption d'une approche constructionnelle diachronique nous semble permettre d'approfondir le degré de rémanence ou de non-rémanence des constructions. Et donc une hypothèse évidemment à suivre et à poursuivre. Voilà pour cet article de Sophie Prévost, dont je redonne la référence. Le maintien de OSV et de VOS en français moderne, un cas de rémanence, publié en 2020 dans la revue Le Français Moderne et accessible librement en ligne sur ALSHS par exemple. Voilà pour ce qui est de cet article. Toujours très intéressant avec Sophie Prévost, qui va toujours dans le détail et qui a une connaissance extensive de l'ancienne langue médiévale. Vraiment, si vous deviez lire, si vous vous intéressez à différents étapes historiques de la langue française, Sophie Prévost pour la langue médiévale, Marcello Nidia, Bernard Combette pour le moyen français, Nathalie Fournier pour la période classique, rien qu'avec ces trois chercheurs-là, vous avez déjà une excellente connaissance de ce qui se passe pendant plusieurs siècles, presque 7 siècles d'évolution, 8 siècles d'évolution sans discontinuer. Bien, quelle heure est-il ? Non, c'est bon, il n'est pas si tard. On va pouvoir commencer à explorer Lost in Time. Hop. Alors, je vais couper ici. Alors, j'espère que ça pourra aller si je passe en plein écran, par exemple. Eh bien. Ah, je n'arrive pas à passer en plein écran, bizarrement. Ah, voilà, j'ai trouvé la touche. Est-ce que... Non, ça s'affiche toujours en mode fenêtré sur le stream, malheureusement. Alors, hop. C'est toujours le problème avec ces jeux. Hop. Je vais baisser un peu. Avec ces anciens jeux DOS, c'est compliqué. Je vais essayer de capturer la fenêtre du jeu via mon logiciel de stream. On va voir si ça marche mieux. Hop. Capture d'écran, capture de fenêtre. Ajouter une source. Oui, non, mais il y a toujours des difficultés, de toute façon. Hop. Ajouter une nouvelle source. Alors, non. Pas du tout ça que je voulais.
Capture de fenêtre. Capture de jeu? Non. Je vais y arriver. Ah voilà. Ajouter une autre source. C'est ce que je voulais. Ajouter une source, fenêtre. Lost in Time. C'est pas celui-là. Ça va être celui-ci. Parfait. Terminé. Parfait. Nous y venons. Hop, le temps de le recadrer. Voilà. J'ai jamais pu, j'ai dû changer la résolution. Oui, bah oui. C'est toujours le danger avec... avec ces anciens jeux. Mais voilà. Donc, Lost in Time. Jeu de Cocktail Vision, donc développeur français. Jadis, qui a été depuis racheté, oh, il y a bien longtemps, par Sierra, qui a été lui-même racheté par, etc. Jeu de 93 de type point and click et développé. Je précise l'anecdote, je donne son nom parce que c'est encore trop rare malheureusement. Développé et chapeauté par une femme, Muriel Tramis, qui a eu une vie extraordinaire. Même en dehors du jeu vidéo, d'origine martiniquaise, qui a fait de la politique, qui a été ami avec Patrick Chamoiseau, qui a rencontré voilà, tous les grands auteurs, Césaire, du temps, et qui a travaillé donc, au début chez Cocktail Vision, en qualité de... dans le département commercial, si je ne m'abuse, ça sera vérifié. Et puis qui progressivement s'est mis à écrire des jeux vidéo. Et notamment, et qui a participé hein, au jeu Cocktail Vision, comme les Goblins. Mais on la retient notamment pour deux jeux en particulier. L'un qui s'appelle Mewilo, qui est un jeu assez connu, puisque c'est une des premières représentations de jeux vidéo français à teneur érotique de l'histoire du jeu vidéo français, et Lost in Time, qui est un jeu qui va parler notamment du commerce triangulaire, de la traite des esclaves au XVIIe siècle, et donc qui parle évidemment d'une histoire familiale qu'elle connaît, hein, et qui est un jeu que j'avais découvert à l'époque, je fais encore un peu d'histoire, sur Adi, qui était un logiciel ludo-éducatif que j'avais à l'époque, où c'était édité par Cocktail Vision, le même développeur, et c'était pour aider à réviser des cours de mathématiques, de français, de choses comme ça, et quand on faisait ces exercices-là, on avait des points, et les points pouvaient être dépensés dans un espace récréation, où l'on avait accès à différents logiciels. Et Cocktail en profitait pour recaler ses anciens jeux d'aventure. Donc les Goblins, qui ont été mes premiers jeux d'aventure, c'est une point and click que j'ai fait vraiment de ma vie. J'en avais fait un article il y a plus de 10 ans maintenant pour Gros Pixel. Hein. Ça fait partie toujours de mes jeux favoris. Et Lost in Time, qui a été le premier que j'ai su terminer à l'époque tout seul. Alors que les Goblins, c'était beaucoup plus compliqué, il y avait une logique un peu plus lunaire qui m'était inaccessible, alors que là, Lost in Time, j'ai su le terminer. Il n'y a aucun moyen de... On ne meurt pas dans Lost in Time, il n'y a pas de situation bloquante, excepté à la toute fin du jeu, où si l'on oublie de récolter un objet, à un moment donné, on est confronté à un ennemi, et si on n'arrive pas, si on n'a pas cet objet-là, on meurt. Et malheureusement, on ne peut pas revenir vraiment en arrière. C'est le seul endroit voilà, qui est un peu compliqué. C'est une version du jeu que j'ai trouvé sur Abandonware France, anciennement connu sur Lost Treasure, qui est un jeu qui propose en téléchargement des Abandonware, donc des jeux qui n'ont pas été réédités, qui n'ont pas que le développeur a laissé hein, en jachère. C'est la version CD, donc avec musique, que vous entendez. Moi, à l'époque, je jouais à la version disquette, il n'y avait ni CD ni voix. Et là, vous l'avez pu entendre au début, il y avait une voix anglaise. Je pense qu'il doit y avoir une version française, j'ai pas pensé à vérifier sur GOG, sur Good Old Game, s'il y était. Mais du coup, ça sera des voix en français. Et donc, explorons un peu un tabouret. Et là, oh, vous avez vu de la 3D ? C'est génial.
C'est l'avenir. On est en 93. Et sous le tabouret, oh, un clou! Mais le clou est bien accroché. Donc vous voyez un peu le concept. Et donc il y a des effets un peu en trois dimensions comme ça qui, moi, à l'époque, m'avaient absolument plu, hein, 1840, voilà, ça se passe au 19e siècle. Hein. Wow! 3D graphics! Video game! C'est vieux ça! Cependant, l'affiche a l'air toute neuve. 1840? On est pourtant bien en 1992! Donc, début du jeu in medias res, hein, comme on aime le faire à l'époque, avec l'encre et tout. Et c'est vraiment. À l'époque, je vois ça sur mon ordinateur. C'est vraiment extraordinaire. Par ici, la sortie, il faudrait pouvoir grimper tout là-haut le long de ce poteau, mais il est trop lisse. Le jeu n'est pas très long. Je pense que si on speedroll, on peut peut-être le finir en 15 minutes, 20 minutes, peut-être. Mais c'est bien moi, je me reconnais. Voilà une certitude. Ça me faisait beaucoup rire. De l'eau. Bloup, bloup. Voilà. Des tonneaux. Il fait sombre derrière tout ça. Hop, une trappe. On y voit goutte. Pas question de descendre avant d'avoir fait toute la lumière sur cette affaire. Et non, le tabouret va pas nous aider à monter. Comme vous entendez aussi. Nous jouons également, ce qui est assez rare, encore hélas, dans les jeux vidéo, une jeune femme. Ce qui est finalement, qui se rencontrait assez bien dans les jeux d'aventure à l'époque. Les jeux d'aventure avaient une tendance, jusqu'à une époque très récente, à mettre en scène des femmes, des jeunes femmes. Il y a toute une tradition de Sierra, de Roberta Williams aussi, qui a été l'une des grandes conceptrices de jeux d'aventure. Qui a dû jouer dans le concept, évidemment. Une lampe. Une lanterne. Et voilà qui va m'aider à tirer tout ça au clair. Un tabouret. Encore un! Un cadenas. C'est curieux, j'ai l'impression que depuis ce matin, je n'arrête pas de forcer des serrures. Et donc. C'est aussi quelque chose. Et là, on voit que l'on part déjà avec un inventaire. Ça, c'est aussi très intéressant dans le cadre des jeux d'aventure. C'est que on commence au milieu des événements et en fait, on est déjà au chapitre 2 de l'aventure. Et juste après, on va découvrir comment on est arrivé jusque-là, en fait. Donc avec les tenailles, on peut ainsi enlever le clou. Dois-je être fier de ma trouvaille? Oui, le clou te servira. En utilisant la lampe sur les tonneaux, on peut voir derrière une éponge. Sans la lampe, je n'aurais pas vu. Elle est un peu rongée. Et évidemment, avec l'éponge, je peux la mouiller. Plup, plup. Non, 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 qu'on ne s'y trompe pas, je ne jette pas encore l'éponge. Je pense que je dois beaucoup de mon humour à ce jeu maintenant que je le vois. Comme quoi, hein. Et avec la lanterne, on va pouvoir descendre dans la trappe. Alors, évidemment, c'était tout à propos pour parler de rémanence ce jeu vidéo. Puisque on est perdu dans le temps, lost in time, et donc l'idée, c'est qu'il va y avoir des échos entre le présent et le passé, il va y avoir un fil historique qui va nous permettre de nous plonger. Et déjà, rien que le début du jeu, on sent que il y a un jeu avec les flashbacks, les flash forwards, comme on dirait, hein, les prolepses et les anaepses, puisque on nous parle, on est au début du jeu dans le passé. Alors que diégétiquement, dans la diégèse, on est déjà dans le futur du personnage, puisqu'on n'a pas trouvé, on n'a pas fait le début de son jeu en particulier. Donc,
Il y a tout un jeu sur les lignes temporelles hein, que l'on va devoir explorer. Le tonneau sent le rhum ambré. Oh, oh. Une chaîne. Là où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Je pense définitivement que ce jeu a participé de mon sens de l'humour. Un rat mort dans le sale, évidemment. Un rat crevé, beurk, c'est dégoûtant. Ça m'apprendra aussi à mettre les mains n'importe où. Hop, là il n'y a rien. Une pompe. Un levier. C'est coincé. Impossible de l'actionner. Mais il me semble que l'on a ouais, du décapant. Non, il ne faut pas utiliser le décapant là-dessus. Alors, hop, on va remonter. Et je pense que l'on met le décapant sur l'affiche, il me semble. Non. Est-ce qu'on utilise les tenailles sur le cadenas? Est-ce qu'on utilise le clou sur le cadenas? Non. Alors, là, c'est le moment où on commence. La partie, essayez tous les objets, surtout pour savoir si ça fonctionne. Le décapant sur le poteau. L'éponge sur le poteau. Non. L'éponge sur l'affiche pour la décoller. Oui. Et derrière l'affiche, il y a un nœud dans le bois. Là, le bois est plus tendre. Est-ce que je peux utiliser la tenaille? Est-ce que je peux utiliser, hop, le clou? Est-ce que je peux utiliser le décapant? Non. Est-ce que je peux utiliser la lampe? Non. Une pipette. Je me rappelle d'énigmes ultérieurement dans le jeu, mais pas de celui-là, bizarrement. Alors, n'hésitez pas à faire des propositions hein, dans le chat, hein, si jamais... Le poteau est trop lisse. Je crois me rappeler de la façon dont on s'échappe. Est-ce que j'avais tout vu ici? Un tonneau, un fût. J'avais pas vu le fût. Du chêne. Ah ah! Une bouteille d'huile de palme. Elle vient de l'île de Saint-Christobal. Où c'est ça? Elle date de 1840. Elle a l'air bien conservée. Et nous avons donc de l'huile. Et avec l'huile, évidemment, on va pouvoir huiler la pompe. Et un petit coup d'huile. Et on pompe. On va dégager toute cette eau douteuse. C'est génial. Je reviens 20 ans en arrière avec ce jeu. 20 ans déjà. L'eau douteuse. Ah non, je voulais pas remonter, je voulais tourner. Ah. Hop. Avec ça, on a la chaîne. Et dans la chaîne, on a un tire-bouchon. Ce qui est tout à fait logique, n'est-ce pas? Et avec ça, on va pouvoir ôter le nœud du bois. Tac. Et on va pouvoir regarder à travers le trou. My duty is to guard the treasure of my ancestors.
But because I was taken away from my land and enslaved with others, I am no longer a free man. And since this disruption in time, my memory has been wandering. Oh là, il y a un problème de... Ouais, le jeu va trop vite. Ah! Mince! Qu'est-ce qui se passe ici? Thank you for believing me, Aruba. When I get out of here, I will come back and free you. I promise. Bon, je résume rapidement, vous pourrez faire des pauses au fur et à mesure. Les cinématiques sont un peu... un peu buggé du coup malheureusement. Hop. On va faire une petite sauvegarde. Donc grosso modo, Yorumba est un esclave évidemment, qui traverse l'océan. Il doit protéger un pouvoir de son peuple, quelque chose comme ça. Et en fait, on va comprendre progressivement que la femme que nous dirigeons est l'ancêtre et la descendante directement de Yorumba. Et donc il finit par lui faire confiance, alors on ne le sait pas encore, mais on comprend. Et donc il lui donne un couteau pour progresser. Il a réussi à amener un couteau dans le bateau. Ah oui, cette malle, c'est vrai qu'on l'ouvre plus tard. Ça m'avait beaucoup étonné à l'époque. Et avec le couteau, on peut se tailler des marches dans le poteau. Pour pouvoir atteindre la trappe en haut. À l'aise l'escalade. Voici une porte. J'entends des grattements derrière. Cette porte devrait coulisser, mais elle ne glisse pas d'un millimètre. Un peu de décapant. Non, évidemment, j'ai plus d'huile. Hein, ça serait trop simple. Et là, on voit que notre champ des possibles, c'est considérablement... étendu. Un râtelier, c'est bien rangé. Un taquet, coincé. Hop, allons vers l'arrière du bateau. Des boulets, un canon. Ça doit avoir un de ses reculs. Tonneau ébréché. Alors c'est vraiment de la chasse aux pixels, hein, comme on le faisait à l'époque. Hein, il n'y avait pas de... Une boucle. Je ne peux pas l'atteindre. Avec les tenailles, ce n'est pas assez long. Avec le clou. Je crois qu'il y a une gaffe que l'on récupère à un moment donné. Je découvre ces musiques, hein, puisque j'ai pas eu, comme j'avais la version disquette, il n'y avait pas de musique dans la version, il n'y avait que les bruitages. Un sabord qui ne s'ouvre pas, des caisses, butin de pillage, de contrebande. Continuons d'explorer tout ça. Les musiques sont sympas, oui, je les découvre. Cocktail Vision faisait des choses très bien. Il contient des fèves de cacao. Je ne connais pas le compositeur ou la compositrice, par contre. Un boulet. Et à côté du boulet, voilà. Une rame cassée. Une plaque. Il y a une découpe dans le bois. Évidemment, je ne vais pas pouvoir... Évidemment, une fois que j'ai utilisé le couteau, je ne le garde pas sur moi, hein, ça serait ridicule. Hein. La serrure est fermée à clé, la barre verrouillée au sol est solidaire de la trappe et la maintient fermée. Ça serait trop simple, évidemment. Est-ce qu'avec la rame, je peux attraper la boucle du réduit? C'est tellement fragile, les couteaux, mais tout à fait, surtout dans les jeux d'aventure. Hein. Alors par contre, les musiques vont boucler.
La rame, je peux tirer là-bas. Elle manque encore un peu de longueur. Tu plaisantes. Est-ce que... Une petite frayeur et pouf, appui couteau. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec une rame Je me rappelle plus du tout de ce que je devais faire ici. Dans mon souvenir, on passait directement dans le... Qu'est-ce que je peux faire avec la rame Je crois pas que je puisse faire quoi que ce soit ici. Je crois pas qu'il y ait des choses à faire encore là. Non. Bon, bah vous savez quoi? Je vais aller chercher une solution. Ah, ok. Il y avait un objet que j'avais oublié de prendre. C'est quoi, j'en donne déjà? Ah! Oui, c'est vrai que l'agenda nous permet de noter des choses. J'avais oublié ça. On peut faire un petit journal du jeu. Cliquez sur le bac du milieu. Quel bac du milieu? Ah oui, il y avait des bacs là, mais... Ah, j'avais oublié de regarder ce bac-là. Voilà. Et là, c'est vrai que c'est là, voilà, je me rappelais de ça. Que j'avais mis beaucoup de temps à l'époque. Et ça me semblait pas du tout logique, comme c'est souvent le cas dans les jeux d'aventure. Mais pour tirer la boucle, il faut utiliser la serpillière, qui est bizarrement plus grande que la rame. Non, il faut l'utiliser sur l'anneau. C'est ça. Ça me revient maintenant. On nous dit que l'anneau est coincé. Voilà, cet anneau. Voilà, ça glisse, j'ai pas de prise. Et avec la serpillière, on peut la saisir. Et avec ça, ça ouvre le renfoncement que l'on avait ici. Une cachette. On a du savon. Ah, là aussi. Là, c'est le grincement du jeu, je crois. Je crois pas qu'elle ait fait miaou, Bergamote. Et là aussi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Si j'utilise le savon... Moi, ma première idée à l'époque, c'était la porte est coincée. Peut-être qu'avec le savon... Non, ça ne donne rien. Alors, on fait autre chose. C'est que en fait, il faut pas le faire sur la porte, mais sur la glissière. Et là, il nous dit, il nous faut râper le savon. Alors, on n'a pas le couteau. Mais on a un tire-bouchon. Et donc, on peut râper le savon avec le tire-bouchon. Je ne sais pas comment elle a fait. Ça, c'était miaou. Et avec ça, on va pouvoir ouvrir la porte.
Et derrière la porte, il y a un bonhomme. Like you're in the wrong time. You'll be surprised. The year is 1840. Il a que la bouche qui bouge, ce bonhomme. I'd say you're from the 20th century. In the wrong time? 1840? It's impossible. Back in time? You must be kidding me. That's pure science fiction. It's true. I'm an agent with the Space-Time Patrol. I come from the year 2092. And I'm after people who travel illegally. Oui, ça devient n'importe quoi. Très rapidement. Maybe you can explain what's going on. Good. But first, help me get free. I can hardly move anymore. I'm not a good cook, but it was the only way I could get on board. They seem to have a habit of tying people up on this ship. The captain didn't like my cooking. There was nothing left to cook with the beans, so I used sawdust instead of breadcrumbs. Oh, I can't do it. These knots are too tight. Wait, I'm going to get something. Just a minute. Before you disappear, tell me how you got here. That may help me with my mission. I received a letter from a lawyer who told me to meet him in front of the Manor de la Prunelière. Apparently, I inherited it from a relative who died in 1840. La Prunelière. Et nous voilà donc dans le vrai début de l'histoire, quand nous arrivons avec le cheval devant la propriété. Charmant, mais un peu isolé dans le coin. Isolé le coin. Bon, le notaire n'est pas arrivé. Jetons un coup d'œil sur la propriété. Un bel étalon. Est-ce qu'il fait partie de l'héritage? À Paris, les boulangers mettaient du plâtre dans le pain pour qu'il passe plus lourd. Oui, oui, j'avais déjà entendu cette histoire. Avec Joy Jumper devant, je ne peux pas approcher. Je ne sais pas si vous voyez, mais il le titille, le cheval, avec un genre de bâton pour qu'il bouge, j'ai l'impression. Vous avez vu, là? Regardez. Hop, on dirait qu'il lui... Ou alors c'est elle qui est censée essayer de le faire partir avec un petit bâton, le pauvre canasson, qui a rien demandé à personne. Alors, une batterie. Hop, pouf. Ce truc pèse une tonne. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le vide-poche. Je crois que c'est des allumettes, non? Pas de cigarette. Dommage, je ne fume pas. Ouais, mais dans le cigarette, dans le paquet de cigarettes, on a du grattoir et un papier. Est-ce qu'on a autre chose dans le vide-poche? Oui, une pipette, hein, je crois. Une pipette, je prends, ça peut toujours servir. Et ça, je me rappelle que la pipette, on peut l'utiliser sur la batterie pour prendre du jus de batterie corrosif. Ça va nous servir ultérieurement. Je sais que j'ai été souvent bloqué dans ce jeu à cause de ça. Un panier au-dessus du tracteur. Donc ils ont vraiment filmé quand même une actrice. Je me demande si c'est pas Tramis elle-même d'ailleurs. Parce que dans les photos que j'ai d'elle, elle lui ressemble. Mais quelqu'un sera privé de tarte aux pommes ce soir. Et évidemment, on va utiliser la pomme sur le cheval. Allez, viens mon joli, tu ne résisteras pas à cette pomme tentatrice, n'est-ce pas? Crunch, crunch, crunch. Et avec ça, le cheval est tout pâti. Hop, on va en profiter pour faire une sauvegarde. Hop. Je vais m'appeler Twitch. Je confirme. Le portail. Un message accroché par une fléchette.
Miss Dora, je suis désolé de ne pas être au rendez-vous, mais ce portail est clos par un cadenas. Cela me paraît suspect. Il semble que votre future demeure serve de cachette à quelque escroc. Je vais chercher un gendarme. Attendez-moi là. Genre, on va attendre là. Eh bien, ça y est, mes premiers ennuis de propriétaire terrien commencent. On va tirer ça au clair sans attendre. Évidemment, un cadenas, grossier mais solide. N'empêche que la serrure qui me résistera n'est pas encore née. Et heureusement, on a de l'acide. Un peu sulfureuse l'idée, non? Mais oui, parce que c'est de l'acide sulfurique, donc c'est une idée sulfureuse. Voilà. J'ai été bloqué vraiment longtemps sur cet écran. Je ne comprenais pas comment ouvrir ce scrogneugneux de cadenas. Ce fut un jeu d'enfant. Si la rencontre, si je rencontre l'intrus, je dirais que je suis amoureuse de belles pierres. Ah, mais ils vont tous les faire. Toutes les faire. C'est pour ça, je pense que mon jeu de mots a été nourri par ce jeu et Achille Talon. Je crois que ça explique beaucoup de choses quand on me connaît. Voyons voir ce qu'il y a dans le puits. Charmant ce puits. Il a l'air profond. Je n'en vois pas le fond. Oh oui, sans doute pire. Un robinet sans eau. L'entrée du manoir. Un tas de bûches. J'ai une bûche. Il y a une fente sous la porte. Une poignée. Avec. Qui m'est resté dans la main. La clé dans la serrure. Un portrait. Qui peut bien être ce marin? Serait-ce mon ancêtre? Alors, il me semble me rappeler qu'on utilise le papier. Je sais que, voilà, on fait tomber la clé et on la récupère avec un bout de tissu ou une feuille, je crois. Hop. Je me demande si la poignée ne sert pas sur le puits. D'ailleurs, pour faire remonter le seau. Peut-être pas, non. Je me rappelle du phare où on va aller justement à un moment donné. Je crois qu'on peut rien faire d'autre ici. Hop. Drôle de construction ou le phare désaffecté. Drôle de construction. Je sais qu'on va trouver du manioc à un moment donné. Je me rappelle de ça. Quelle est la fonction de cette étrange construction? Une petite niche creusée dans le doigt des marches qui colle avec le portrait que l'on a et qui s'incruste parfaitement. Pas de serrure, pas de poignée, pas de porte visible. Et je crois que si on appuie, voilà, sur le portrait, je vois. Cet édifice est un caveau, il doit y avoir un squelette. Et donc il nous faut la date de Philibert, qui avait 35 ans du coup, je présume. Hop. Et avec ça, on fait venir un ascenseur. Il fallait inscrire l'âge du capitaine. Cela a déclenché l'arrivée d'un monte de charge. Ah, ça me fait plaisir de refaire ce jeu. Je joue encore une petite dizaine de minutes. Alors. Alors, je sais que... Il y a un faux contact dans le panneau. Et il faut refaire le contact, je crois. La barre d'appui. Le panneau de commande. Pas qu'il y ait autre chose ici pour l'instant. Allons voir le phare. Alors, il y a la poignée fermée, bien sûr. Pas de serrure visible. Même en tirant sur la poignée comme une malade, ça ne vient pas. On va aller derrière. Est-ce que c'est là où il y a. Ouais. Il y a la bouteille. Pouf.
Du vinaigre. Il vaut mieux que je laisse ça à mes ennemis. Un tonneau. Bien trop lourd pour être déplacé. Un bouchon. Impossible à ôter. Hop, mais je peux utiliser la fléchette pour enfoncer le bouchon. Du rhum plein les escarpins. Moi qui m'étais mis sur mon 31. Dommage de gâcher une si bonne cuvée. Et avec ça, je récupère un tonneau dans mes poches, tranquillement. Voilà. Donc après, elle peut bien dire qu'elle a du mal à tirer sur le... Hein, qu'elle a du mal à faire des trucs physiquement. Hein, elle se trimballe avec un tonneau derrière à la Obélix. Mais oh, je me sens faible aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Un soupirail. Il y a quelque chose derrière la vitre. Un coup de bûche. Non. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Non. Il n'y a rien d'autre ici à faire? Il y a le vinaigre. Qu'est-ce que je peux faire avec, avec tout ça? Si je regarde à nouveau là. Ah oui, oula, oui, je me rappelais pas du tout de cette énigme. Je sais pas comment j'ai pu la trouver, ce truc à l'époque. Je pense que de désespoir, j'ai fait un peu tout. Parce que c'était quand même... c'est quand même tarabiscoté. Alors, regardez donc. J'utilise la fléchette sur la serrure. Hop, je fais tomber la clé. Maintenant, je dois récupérer la clé. Pour récupérer la clé, je mets le vinaigre... dans la batterie. Parce que ça remplace l'acide de la batterie. Ok, admettons. Ensuite, j'utilise le fil de fer sur la batterie remplie. Non, c'est pas ça? Non, on utilise un fil de fer sur la poignée. Pour en faire une bobine magnétique. Et là, je la charge avec la batterie. Pour faire un électro-aimant qui me permet d'attirer la clé. Plutôt astucieux, n'est-ce pas? Je suis assez fier de moi. Alors là, il y a... je pense qu'il y a des profs de physique qui sont là. J'ai plusieurs questions. Je sais pas comment j'ai fait pour trouver ça à l'époque, parce que... c'est quand même très tarabiscoté. Je pense que on avait du temps. Quand on est jeune, on a du temps. Donc on essaye tout sur tous les objets. Et on finit par trouver quelque chose qui marche, quoi. Mais c'est quand même fascinant. Donc, je remets la poignée. Et je mets la clé. Et je vais pouvoir rentrer dans le manoir. Sans rire. Quelle heure il est? Je regarde. Allez, je joue encore un peu. Nous voilà donc dans le manoir et nous avons la godille. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? On a une barre de fer. Je vais pas pouvoir la prendre avec moi. Un coffret avec du fil de cuivre. Et dans le coffret, oh, de la résine. Une boîte de résine, ça sert à réparer les coques de bateau. Un fusible endommagé. Un extincteur. Dans la cheminée, on a quoi? On a un tourne-broche. Il n'y a ni feu ni cendre, il y a longtemps que cette cheminée n'a pas servi. On va mettre la barre sur les chaînées. Non.
Est-ce que je peux mettre la bûche au foyer? Oui. Ok. Qu'est-ce que je peux faire ici? Oui, on peut réparer le fusible avec le papier alu de la cigarette. Là encore, là il y a le même professeur de physique qui est là genre... Il y a des chances que le papier alu laisse passer le courant ou foute le feu à la maison. C'est... Hein? Bon. Qu'est-ce que... Alors... Non. Il me semblait pourtant... Appareil fusible pour la godille, poser la barre dans la cheminée. Que je peux utiliser la résine sur la barre. Non, bon, c'est pas grave. Par contre, maintenant que j'ai un tournebroche, je vais pouvoir faire du vandalisme. Et évidemment, on est dans un jeu d'aventure, donc on commet des crimes. Là déjà, on a fait plein de trucs que la morale réprouve. Hop, on va aller par là. Les tournebroches aussi, c'est fragile. Ah bah les tournebroches, il va me servir à tournebrocher le soupirail. Paf! Et avec ça, on a un tuyau. Ah ah. Voilà de quoi arroser mes plates-bandes. Et là aussi, je pense que c'est totalement par accident que j'ai trouvé que ce tuyau fait l'affaire. Ici, parce que l'idée... Hop. C'est d'utiliser... Vous allez voir. C'est d'utiliser le bout du tuyau. Où est-il d'ailleurs? Bah. Ah, il fallait que je le reprenne peut-être. Parce que l'idée, c'est d'utiliser le tuyau sur le monte-charge pour faire descendre le monte-charge. Et comme ça, paf, ça tire la porte et ça l'ouvre. Bah alors? Oui. Oh, le jeu est... Ouais, là, il me fait disparaître le bout du... Ah, c'est peut-être un bug. Ouais, est-ce que je dois avoir normalement le bout du tuyau. Ouais, normalement, je dois avoir le tuyau pour accrocher au monte-charge. Là, il y a quelque chose qui marche pas. Est-ce qu'il faut d'abord que je l'accroche au monte-charge? Très possible. Tuyau
Monte charge, appui, voilà. Tac. Oui, voilà. Et là, il me garde le... Et là, il me garde le... Hop, le... l'extrémité. C'est ça. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir revenir à l'ascenseur et l'envoyer en bas. Hop, avec les fusibles que j'ai réparés dans la maison. Il y avait ça, clac. Mais du coup, j'ai endommagé le tuyau. Ah bah c'est pas grave. Est-ce qu'on a de quoi réparer les tuyaux avec de la résine. Elle veut faire ça sur l'herbe près du puits. Bon, bah faisons ça sur l'herbe près du puits. Alors. Parce qu'ils ont filmé la scène près du puits, et donc évidemment. Est-ce que tu veux que je sois près du puits pour le faire? What? Ah, parce que tu veux que je remette le tuyau, je pense, sur le robinet. Voilà. Et là, maintenant, je peux utiliser la résine sur le tuyau. Quoi? Ça me paraît pas être la bonne méthode pour le réparer? Comment ça? Tu viens de me dire que c'était une bonne idée? Est-ce que maintenant que j'ai fait zoom... Non, ça me paraît pas être la bonne méthode pour le réparer. Est-ce qu'il faut d'abord que... Je mette quelque chose dessus. Le paquet de cigarettes? Non. La résine? Non. Ok, un coup on me dit que c'est une bonne idée, ensuite on me dit que c'est une mauvaise idée, c'est pas grave. Ah, les jeux d'aventure de l'époque. Je n'ai plus la patience ni le temps à dire ouais pour faire... Pour faire ces jeux maintenant. Bah alors pourquoi? Hop, on va rentrer. J'entre dans le monte-charge. Fais donc ça. Et ploc, on déchante. Et nous voilà dans la cave, un véritable tombeau. Des bouteilles. Mais je suis trop petite. Les bouteilles sont trop perchées. Est-ce que je peux utiliser le tonneau? Oui. Et hop, j'ai du champagne. C'est du cidre bouché. Ah bah c'est bien ça. Utiliser le cidre sur le sol. Non. Une malle. Pas moyen de l'ouvrir. Ah oui, il faut trouver un code quelque part. Et je crois qu'à l'époque, j'avais pas trouvé le code et donc je l'avais brute forcé en faisant toutes les combinaisons possibles. Parce qu'il y a que quelques... Il y a quelques icônes seulement. Le sol est en bois. Ok. Une ouverture qui donne sur le jardin devant. Jolie vue sur le puits. Ok. 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 Bon, on va revenir au phare. Donc c'est ouvert. Voilà. Il y a des fois ma souris clignote quand je joue à ce jeu. Je ne sais pas pourquoi.
Il doit y avoir derrière un escalier qui descend. Est-ce que je peux utiliser le tournebroche? Je peux utiliser le fil de cuivre. Non. Est-ce que je peux utiliser... Bon, on va monter vers la pièce de repos. Ouais, la souris clignote parfois, c'est bizarre. Ah, voilà, c'est mieux. Dur de monter jusqu'ici, 365 marches. Je les ai comptées. Une longue vue. Oh, joli. Avec une île au loin. Ah. Me faut-il voir quelque chose en particulier avec la longue vue? Alors, la question c'est qu'est-ce qu'ils veulent me faire voir? Ah, c'est pas, y a pas une épave de bateau, quelque chose comme ça. Là, yes, l'épave. Qu'est-ce que c'est que cette forme là-bas? Des écueils? Un navire échoué? J'aimerais bien trouver le moyen d'aller jeter un coup d'œil à cette épave. Clin d'œil, clin d'œil. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Un tiroir. Dans le tiroir, un journal. Malheur au navire qui approche les sept dents du diable, car il constituera pour elle un mets de choix. Mais n'est-ce pas le destin du marin qui prend la mer de se donner à son tour corps et âme? Le journal dans ce tiroir parle sûrement des écueils qu'on voit dans la longue vue, si ce n'est du navire lui-même. Les portes ne s'ouvrent pas, gonflées par l'humidité. Un coup de tournebroche? Un coup de fil de cuivre? Un coup de cidre bouché? Un coup d'extracteur? Un coup de résine? Bon, tant pis. On va aller vers la lanterne. Ah, un vrai phare en parfait état de conservation. Vétuste, elle doit marcher au pétrole. Des rideaux. Avec plein de mouettes. Bon, allez, je pense que je vais m'arrêter ici. Je continuerai le jeu. De mon côté, de toute façon, je voulais en faire un article pour Gros Pixel. Hop, elle a des grands pieds, Cendrillon, avec le sabot. Et dans le sabot, oh, une clé. Ah, oh, attendez. Plot twist, on a trouvé une clé dans un sabot. Est-ce que c'est la clé qui ouvre la porte en bas du phare? La coquine, regardez où elle s'était cachée. Oui, ça ouvre la porte. Cet escalier débouche sur la mer. Un volant de canalisation. Donc là, ça va sans doute. C'est pour ça que Cendrillon boite. Bah oui. La porte est verrouillée. On ne peut pas accéder à la barque. Et je pense que la valve que je viens d'activer, c'est celle du robinet que l'on a au puits. Après, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'ouvrir ce robinet encore? Je ne sais pas. C'est toujours pareil avec les jeux d'aventure. On fait des choses jusqu'à ce que ça marche, même si on ignore. Allez, j'ouvre. Mais non, je ne peux pas faire ça. Le tuyau est endommagé, ça va fuir. La déchirure est pas trop importante, d'accord. Mais la résine. Pourquoi c'est pas la bonne méthode? Je comprends pas. Que tu veux un bouchon? Elle a bu le cidre. What? T'as bu toute la bouteille de cidre? Ben oui, j'ai plus le cidre dans mon inventaire.
Elle s'est enfilée toute la bouteille de cidre. Bon, je vais m'arrêter là. C'est une vraie Normande, hein. Allez, hop, un coup de sirop bouché pour résoudre les énigmes. Bon, sur ces bonnes paroles, hop, je vais arrêter le jeu. Hop, quitter. Ça rafraîchit les idées. Ah bah oui. Avec ça, les idées sont toutes fraîches. Boum. Et avec ça, je termine le stream de ce soir. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont accompagné, qui m'ont vu. Comme toujours, ce stream sera disponible sur Twitch pendant une semaine. Et d'ici la fin de semaine, je le mettrai en ligne sur ma chaîne YouTube si vous souhaitez le revoir en replay plus longuement. D'ici là, je vous dis à la prochaine fois. Je ne saurais pas vous dire encore quand, parce que je serai peu disponible dans les semaines qui viennent. Bonne fin de soirée également, et puis à bientôt. Ciao!